vous savez que le message est traduit. As you know, during the summer months, the messages are translated into French and English. Donc vous avez une double bénédiction. That means you get a double blessing. Êtes-vous prêt pour la parole? Are you ready for the word of God this morning? Juste trois exhortations concernant cette période estivale. I have three exhortations concerning this summer period. Le premier, c'est repose-toi. The first is take time to rest. Ce que je constate, c'est que la plupart du temps, lors de la rentrée, pendant les vacances, les gens reviennent plus fatigués qu'ils étaient avant de partir. What I have observed all too often is that when people come back from vacation and start in September again, they're more tired than when they left. Et c'est une mauvaise manière de commencer l'année. And that's not a good way to start the school year. Si nous voulons bien commencer, il faudrait revenir reposer. If you want to start strong, you have to rest during the summer. Deuxièmement, c'est profiter de la famille. The second exhortation, take time to be with family. Vous savez, des fois, lors de nos activités, nous n'avons vraiment pas le temps de passer les visiter, passer du temps avec eux, manger avec eux. You know, with all of our work responsibilities and our different activities, we don't even take time sometimes to have a meal with the members of our own family. Donc, profitez de ce moment estival, des vacances, pour visiter, pour passer du temps avec eux. Take advantage of the free time you have in the summer to visit family members and spend time with them. J'aimerais juste vous dire quelque chose rapidement, c'est que nous servons un Dieu éternel, mais nous ne sommes pas éternels. I just want to say this. We serve a God who is eternal, but on this earth, we don't live for eternity. We don't live eternally. Vous savez, pendant ces des années passées, j'ai perdu trois personnes assez importantes de ma vie. This past year, I lost three people who were very precious to me. Et je me rends compte que c'est le moment que je dois profiter d'eux, c'est lors de leur vivant ici. And it made me realize that I have to take advantage of their time here on earth in order to be with them and spend time with them. Et pour terminer, c'est consolider votre relation avec Dieu. And for the third exhortation is consolidate or strengthen your relationship with God this summer. Donc n'oubliez pas repos. So, to summarize, rest, famille, family time, et Dieu, and God. Vous savez, il n'y a pas d'autres priorités. Les trois sont notre priorité pendant ces vacances. You know, there are no other priorities during July and August. These three things should be our top priorities. Donc, avant de continuer dans la parole de Dieu, j'aimerais juste vous inviter à vous lever, comme vous savez que le pasteur Robert n'est pas parmi nous. As you've noticed, Pastor Robert is not with us, so we're going to stand up together. Nous allons prier pour lui parce qu'il rend visite à notre église sœur, donc à Ferté-sous-Jouarre. We're going to pray for him this morning because he is ministering in our sister church, a new church plant at La Ferté-sous-Jouarre in the 77th. Donc, ils ont les baptêmes, ils sont en train de célébrer des baptêmes. Prions que Dieu va être avec lui, prions qu'une onction forte sur Pasteur Robert, que les gens vont être guéris, délivrés, restaurés et sauvés. After the service, they're going to have baptism. So we want to pray that there will be such an anointing on Pastor Robert that people will be saved and delivered and healed and set free. Amen. Amen. Let's lift our hands before the Lord and pray together. If you know how to pray in the Spirit, pray together in the Spirit. Lift up your voices. Father, thank you that we can be a blessing and we can send out Pastor Robert to minister at the church, Tree of Life. Et nous te remercions que lors de cette visite, qu'il va avoir un rafraîchissement au sein de l'église. Father, we pray that you would bring a wind of refreshing into that church during his visit. Et par-dessus de tout, qu'il y aura une parole du royaume qui va être libérée. And that above all, you would give Pastor Robert a word from the kingdom of God to deliver. Et que l'église sera bénie. And so the church would be blessed. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus, we pray together. Amen. And to everybody said, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Vous savez, l'une des raisons pourquoi on prend du temps pour prier pour nos pasteurs. You know, one of the reasons we take time in the service to pray for our pastor when he's not here.
if he's preaching somewhere on a Sunday. C'est pour vous montrer l'importance que vous aussi, en tant que membre de l'Église, vous êtes supposé de prier pour votre pasteur. It is to remind you that you have a responsibility as a member of this church to pray for your pastors. Je pense qu'il y a trop de décennies qui sont passées que nous avons toujours pensé que c'est que le pasteur qui prie pour vous. You know, for years and years in the body of Christ, people would think it's just the pastor's job to pray for his sheep. Nous devons commencer à changer cela. But we need to start to change that mentality. Ça doit être réciproque. Because it needs to go both ways. Amen. Amen. Juste quelque chose avant de continuer. Les gars, ce que vous allez faire, enlever les notes parce que ça ne marche pas. Je vais utiliser mon ordinateur. Et vous mettez juste les versets. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir l'équipe de la plateforme? Let's thank the people on the platform helping us with the technical part. Pendant que j'étais en train de prier avant de venir ce matin, as I was praying this morning before coming here, il y en a plusieurs choses qui m'est venue. Premièrement, several things came to me. First of all, peut-être quelqu'un, peut-être c'est plusieurs personnes ou une personne, mais en tout cas si c'est vous, juste levez votre main là où vous êtes. If this applies to you, I invite you to raise your hand. It might be one person, it might be several people. Vous avez une maux de tête chronique. You are suffering from chronic headaches. Donc si c'est vous, if it's your case, j'aimerais que vous levez les mains. Raise your hand so we can see you. Nous allons prier pour vous. We're going to pray for that to be healed in Jesus' name. Thank you, je Lord. Je sais ce que je vais dire, ça va être délicat, mais croyez-moi, Dieu veut vous guérir ce matin. And even if what I say seems to be delicate, I do believe God wants to heal you this morning. Vous savez, j'étais un peu hésitant de le dire, mais je vais le faire parce que Dieu va agir ce matin. I was a little bit hesitant to pray in this way, but I want to do it because God told me to do so. Il y en a quelqu'un qui a une perte de sang inhabituelle. Vous savez, vous, nos sœurs, vous avez vos périodes mensuelles, mais ce qui veut dire qu'il y a un dérèglement quelconque dans cela. Et Dieu veut guérir cela aussi. Someone else in the room has problems of bleeding, and especially among the sisters. Gardez les mains levées. If you have irregular periods, keep your hands up so that we can be targeting you, and God wants to heal you. Troisièmement, quelqu'un parmi nous qui a un sommeil perturbé. The third problem the Lord revealed to me is sleep that is disturbed. Wow. Yeah, there's a lot of you. I know that. Yeah. Et peut-être quelqu'un qui a un problème de dos. Je ne sais pas si c'est lié à une chute ou peu importe, mais vous avez néanmoins un problème de dos. Si and someone else has a problem in their back. It might have been after you fell, but you're suffering in your back, okay? Okay. Et very dernièrement, last thing. Un couple parmi nous qui passe par un moment vraiment difficile. Vous êtes limite au bord de la rupture. And the last one is for a couple, a married couple having difficulty. You're nearly at the edge of a breakup. So this, we want to pray for you as well. C'est vous, juste levez votre main. If it's your case, lift your hand and let's trust to God. Celles qui ont levé les mains, mettez-vous debout, s'il vous plaît. All right, those of you who lifted your hands, please stand up so we can see you and pray for you and target you. Amen. Alors, pour tous ceux qui sont autour, juste étendez vos mains et nous allons faire. Everybody surrounding these people standing up, stretch out your hand, lay it on their shoulder. Parce bless, que nous servons un Dieu de miracles. Because we serve a God of miracles. Nous servons un Dieu de puissance. We serve a God of power. Nous servons un Dieu qui répond à la prière. We serve a God who answers prayer. Alors, nous allons étendre notre foi. So we're going to stretch out our faith together. Dans l'unité. In unity. Et ordonner. And we are going to order. Que ces chaînes soient brisées. Command sur la vie de nos proches. These chains to be broken in the name of Jesus. Peut-être tu es à la maison, tu es en train d'écouter ce message. Maybe you're listening to this message through si the internet. Si ça te concerne. If any one of these topics sur l'écran, involve you, just stretch Dieu out your hand to the screen because God wants to heal Dieu you as well, right where you're at. Père, je te remercie. Father, I thank you right now. Ta parole est libérée. Your word is coming forth. Tu confirmes ta parole. You confirm now your word by signs et prodiges and wonders. Et on parle en autorité du nom puissant de Jésus. And we take our authority in the mighty name of Jesus now. We command toute cette anomalie and all of these anomalies retourne en normalité to come back to normal. Toutes ces dysfonctionnements every dysfunction fonctionne proprement start to function normally in the mighty name of Jesus. Que ces chaînes soient brisées. I command these chains to be broken now. Attends, tu n'as aucun droit. You have no right, Satan. Tu n'as aucune autorité. You have no authority de tenir captif to keep these people prisoner. Les enfants de Dieu. Because they are children of God. Tu ne peux pas. You are not allowed résister to resist à la parole du Seigneur ressuscité. The word of the Lord God who was resurrected from the dead. Qui déclare, so we declare now par ses maîtrisures,
By his stripes, nous sommes guéris. We have been healed. Be healed. This healing manifests now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Si peut-être s'il y avait le problème de dos, juste vérifie, baisse-toi, courbe-toi. Gloire à Dieu. If you were the one with back problems, test your back. See if you can bend or move like you couldn't before. Just test it. See if God's healing it instantly. Oh. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, God is here. Wow. Tous ceux et celles que j'ai prié aujourd'hui. You know, the people who, for whom I prayed today. Une fois que vous constatez la manifeste réponse de votre prière. Once you have seen the prayer answered. Alors s'il vous plaît, venez et témoignez. Come and testify about it. Parce que c'est ainsi que la foi d'autres vont être motivé. Because it's through your testimony that you can inspire the faith of others as well. Amen. You may be seated. Thank you, Jesus. Receive that. Alléluia. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. I want to tell you something. Vous savez, n'attendez pas le spectaculaire, parce que si vous attendez toujours le spectaculaire, vous risquez de passer à côté du Saint-Esprit. You know, don't expect something spectacular to manifest. It might make you miss what the Holy Spirit is doing. Ce que je suis sur le point de partager avec vous. What I want to share with you today. En fait, on a vécu quelque chose cette semaine. Is following something that we experienced this week. Et ça nous a retourné, Vanessa et moi. And it really affected my wife and I. Ça nous a fait refaire un flashback en arrière 11 ans de cela. And it made us have this kind of a flashback to 11 years prior. Vous savez, des fois, lorsque vous voyez des prédicateurs venir prêcher la parole de Dieu. You know, sometimes when you come and you hear a preacher preaching the word of God. Vous pouvez avoir cette idée préconçue que pour eux tout va bien, il y a que nous qui luttons. You can have this preconceived idea that everything works fine for the preacher. We're the only ones that are suffering. J'aimerais vous dire le même combat que vous devriez faire, nous devrions faire aussi. But let me tell you this, every battle, every combat that you face, we're facing as well. J'aimerais juste témoigner avant de commencer à prêcher quelque chose que je fais pas d'habitude. I'm going to do something I don't usually do, and that is to share a testimony with you before I preach. Vous savez, lorsque lors de la venue de notre deuxième bébé qui est Zoé, when our second child arrived, our girl named Zoé, et nous étions supposés d'aller voir les gynécos pour faire tous les tests, pour voir le battement du cœur et ainsi de suite. When we went to the doctor for all the tests that you do and during the pregnancy to see how the heart is beating and everything. Et selon le calcul, lorsque Vanessa et moi on était là-bas, on était supposé lorsque il allait mettre je ne sais quoi, comment ça s'appelle l'appareil, en tout cas. When we were at the doctor's office, he was going to do something with a particular apparatus that I don't know the name of. Pour écouter le battement de cœur. Okay, to hear the heart of the baby beating. Au fait, the monitor. Vous voyez l'œuf? So on the screen, we could see the egg. Et il n'y avait pas battement de cœur. But there was no beating of the heart to be heard. Et pendant que je regardais les gynécos, je voyais son visage qui changeait. So I was watching the doctor's face and I saw it began to change. Et d'un seul coup, il a commencé, si j'ai tort, ma chérie, tu me corriges. And now if I make a mistake, I'm telling my wife she can correct me. Et puis d'un seul coup, il a commencé à parler, oui, mais vous savez, à l'heure actuelle, on était supposé d'entendre le battement du cœur. He turned to us and said, you know, at this period in the pregnancy, we're supposed to be able to hear the heart of the baby beating. Au fait, donc le médecin qui nous parle, je dois partir en vacances. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un rendez-vous lorsque je rentre des vacances. So the doctor tells us, but now I'm about to leave on vacation. So this is what I suggest. We will have another appointment after my vacation. Donc en rentrant des vacances, et il a commencé à nous parler, vous savez, si... Pour lui, il était déjà en train de nous préparer pour faire un curetage. C'est ça? Wait. All right. So when he came back from vacation, he started talking to us in a sort of negative way. He was actually trying to prepare us psychologically for evacuating the uterus because he didn't believe the baby was alive. Et donc on est sorti. So, we came out. Et Vanessa me dit, écoute Sam, donne-moi les clés, je vais conduire. And my wife said to me, give me the keys, please, to the car. I'm going to drive. Et pendant tout le trajet de Neuilly-sur-Seine jusqu'à Créteil.
And for the whole trip from Neuilly-sur-Seine to our house in Créteil, elle pleurait. She was crying at the wheel of the car. Et vous ne pouvez pas imaginer comment je me sentais dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. And you have no idea how unpowerful, how I felt powerless to help my wife in that condition. Et donc en conduisant, donc j'ai rien dit. So we were driving all the way home, I said nothing. C'est des fois il y a des situations que tu vis, tu dois juste garder ta bouche fermée. There are times in life when it is better to say nothing at all and just keep your mouth closed. Et là en arrivant dans le parking, elle garde la voiture. So we get to the parking lot of our home and she parks the car. Je dis on ne peut pas sortir dans la voiture sans faire quoi que ce soit. And I said to her we are not getting out of this car until we do something together. Et là je pose mes mains sur son ventre. So at that time I put my hand on her tummy. Et je lui dis tu sais on sert un Dieu de vie. And I said to my wife, we serve the God of life. Et j'ai commencé à déclarer la vie sur elle. And I began to declare life over her uterus. Sur le bébé. Over the baby. Et je peux vous dire, and this is what I can tell you. À ce moment-là, at that very instant. Il y avait rien qui pouvait juste me faire juste crier, pleurer. There was nothing that could make me laugh or cry. Mais je me suis ressaisi, je me suis dit, il faut marcher par la foi. But at that time, I said to myself, I am going to walk by faith. Et vous savez quoi? À notre grande surprise, lors de notre retour, prochain rendez-vous avec le gynéco. And you know what happened? The next time we went back to the doctor's office, on a entendu le cœur. We heard the beating heart of our baby girl. Pour le gynéco, il était surpris, mais pas pour nous, parce que nous savons, nous servons un Dieu de miracles. And in fact, the doctor was surprised to discover this, but we weren't surprised because we knew we served a God of power. Et c'est la raison pour laquelle elle s'appelle Zoé. And that's why she has the name Zoé, which means life, the life of God. Et je peux vous dire que où cette fille est, elle ramène la vie de Dieu. And I can tell you this, wherever this girl goes today, she brings life. Et vous savez, dès son jeune âge, j'ai remarqué aussi autre chose. And from the youngest age, I also noticed something else. L'ennemi veut attaquer cette vie qui est en elle. The enemy tries to attack the life that is in her. Et ces derniers temps, j'agissais un peu charnellement. Lately, I acted a little bit in the flesh. Mais je vais prendre le problème de l'autre côté maintenant. But now I've learned how to look at problems differently. Je vais commencer à commander ces démons qui essaient d'empêcher la vie de se manifester au travers d'elle de partir à jamais. I pray differently. I start to speak to that demon that is trying to eliminate the life that she brings and I tell him to leave in Jesus' name. J'aimerais vous dire quelque chose. J'ai appris quelque chose de très fort. Le Seigneur m'a dit, Sam, ne gère pas le problème charnellement. Gère-le spirituellement. What I'm about to say is very important. Listen. When you encounter a problem, this is what the Lord told me, do not manage it in the flesh, but by the spirit. Et maintenant, malheur à cette personne qui va se laisser influencer par le démon. So, now, anybody who's letting themselves be influenced by demons is going to have problems. Because I've taken a position, and I'm praying differently. Je sais quand je prie, Dieu m'entend. And I know that when I pray, my God hears my prayer. Quand il m'entend, il envoie ses combattants. And when God hears our prayer, he sends his angels to fight for us. T'as intérêt à changer ou faire de la place. So, we need to make room for the power of God to move and pray differently. Amen. Amen. Je sais pas si ça vous aide, mais en tout cas, I hope this is helping you to see things. On apprend tous les jours parce que des fois, tu sais, t'as envie de sortir ton point et mettre une bonne droite et puis on n'en parle plus. You know, we're learning new things every day. I know that sometimes in the flesh, I just want to punch somebody when things are not going well. Et Dieu m'a montré, il m'a dit non, c'est un démon. But God revealed to me, listen, it's not a human problem, it's a demon trying to take her life. Maintenant, je vais juste clarifier quelque chose. Now, let me be specific about something. Ne voyez pas le démon partout. Don't see demons everywhere. Okay, that's not the case. Depuis que je suis ici, vous savez que je ne parle pas souvent de ce genre de choses. You know, I don't even preach a lot about spiritual warfare here. Mais c'est pas pour autant qu'on ne croit pas. But that doesn't mean we don't believe in it, okay? Amen. Ah, j'aimerais vous encourager aussi, ne gérez pas votre problème charnellement, gérez-le spirituellement. However, don't try to solve your problems carnally. They are to be solved spiritually. Vous rendez compte, je suis même pas encore rentré dans mon message. I haven't even started my message yet. That's just what the Lord wants to share with you. Est-ce que ça a béni quelqu'un, ce témoignage? Did this testimony speak to someone? Amen. J'ai pas le temps, je peux témoigner aussi pour notre premier.
I can also testify of our firstborn. Deux miracles. Two miracles that he experienced. And he was on the drums today. Wow. You saw that, right? Merci, Pasteur Catherine. Il était à la batterie pour sa première fois. For the first time ever, he played drums with our team this morning. Très fier de lui. Oh, je t'aime, mon fils. Vous savez, selon la concordance exhaustive de NIV, qui veut dire NIV, le verbe prier est mentionné à peu près 375 fois. According to an English concordance that uses the New International Version of the Bible, the verb to pray is mentioned 375 times in the Bible. Le nombre de fois que le mot prier est mentionné dans la Bible varie en fonction de la version. Now, the verb to pray is different from one version to the next, depending on how the translators chose to use the word. Mais en général, prière semble être mentionnée plus que 600 fois dans toute la Bible entière. But on the average, the word prayer appears roughly 600 times in your Bible. Et j'aimerais vous dire juste quelque chose. Je suis en train de faire parcourir une étude, je viens de commencer, de chercher à chaque fois que la prière est mentionnée dans chaque Bible, dans chaque livre de la Bible. I just started a personal Bible study and I'm looking up every time the word prayer appears in one of the books of the Bible. Jusqu'à maintenant, j'ai découvert 222 prières faites par des gens. And up till now, I've discovered 222 times that the Bible speaks complet. Of prayer. And I haven't even finished yet. Et je vais voir. But I will see how many times it happens. La raison pourquoi je vous donne ces stats, il y a une raison spécifique pour cela. Now I'm sharing these statistics with you for a very specific reason. Nous devrions comprendre que c'est important de prier. We do need to learn how important it is to pray. Entre vous le savez. How many of you know this is true? Levez votre main. Come on, let me see your hands. Levez pas. Alors baissez votre main. Now, lower your hands. Nous avons eu 99.9%. I think we've had 99.9% of the people here raise their hand. Maintenant, je veux juste vous demander d'être sincère. Now, I'm going to ask you to be sincere. On est à l'église, amen. We're together here at church. On peut être sincère. We can be sincere. Comment d'entre vous vous priez? Comment? Combien d'entre vous vous priez? How many of you actually pray? Let's be honest. Oui. Okay. Il y a moins de mains. So more of you believe that prayer is important, but less hands were raised. Et j'ai demandé à Dieu. So I asked the Lord this question. Vous savez, il y avait un temps comme vous savez, les dimanches, on fait l'intercession. You know, on Sunday mornings, we do prayer before the service. Ça commence à 8h15. Behind the stage, starting from 8:15 in the morning. Avant, il y avait plus de. Je me rappelle, il y avait une époque, Blondel, hein, Pasteur Catherine. Yeah, même au début de l'année. Pour rentrer dans cette salle là-bas. There was a time when we had to fight each other to find room in the prayer room. Et je me suis posé la question, le pourquoi que la salle est de moins en moins remplie. So I asked myself over time, over several months, why is it that the room is less and less filled with people for pre-service prayer? Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous gronder, je suis en train de vous exhorter. I'm just here to exhort you, I'm not here to correct you or scold you. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a une importance de prière. Aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui dans l'Église, c'est ces prières qui ont été faites dans le passé, des décennies de cela. But you need to know this. What you experience, what we're experiencing today in this church is the fruit of the prayers that went up even years ago. Et si nous voulons saisir ce que Dieu veut que nous fassions avec l'acquisition de bâtiments, ce nouveau projet Transforme Paris, and if we really want to enter into what God has promised us with the purchase of the building and the Transform Paris project, nous devrions exceller, augmenter en prière. It is time to increase, not to decrease prayer. Il n'y a pas de moyen petite prière. Toutes les prières sont à prendre dans cette église. Every prayer in this church is important. There's no such thing as a little prayer. Ce qui veut dire que ta participation, elle est importante. In other words, your participation in the dreams of God is very important. Donc, comprenez ceci, tu dois venir donner ton assistante, ton soutien et ton support dans la prière. So understand this, it is up to you to come and support and participate in the work of God through your prayers. Mais néanmoins, j'ai demandé à Dieu pourquoi les gens ne prient pas ou pourquoi ils ne prient plus. So, recently I asked the Lord, why is it that people don't pray or maybe they pray less? Ou ne prient plus du tout. Or not at all. Premièrement, ils ne
sait pas, ils ne savent pas comment prier. The first thing he showed me is people don't know how to pray. Deuxièmement, ils ne comprennent pas la puissance dans la prière. People do not understand the power of prayer. Je sais que ce que vous allez me dire, oui, mais on connaît, on peut même te donner des versets, Samuel. I know a lot of you are saying, but we know all that. We can even give you Bible verses, Pastor Samuel. Mais là où vous donnez votre temps me montre que la vérité, que vous croyez en cette chose ou pas. But the way you invest your time will reveal to me how much you actually believe in the power of prayer or not. Parce que si vous étiez en train de croire dans la prière et que vous croyez dans la puissance de la prière, because if you truly believed in prayer and in the power of prayer, vous serez en train de prier. You would be praying more and more. Si vous ne pouvez pas dire amen, dites oui moi. If you can't say amen, say oh my. Ou sinon, il y a un troisième point qui était très intéressant que le Seigneur me révéla. A third thing that the Lord revealed to me, which was very interesting. Tu as été déçu de ta vie de prière, ou sinon tu as prié, cela n'a pas marché. Some people have been disappointed because of their prayer life, or maybe they prayed once and the prayer didn't work. That's amen. The other reason. Encore une fois, si vous pouvez pas dire amen, dites oui moi. So if you can't say amen, say oh my. C'est important de prendre le problème du bon côté. Tu sais, je cherche toujours le pourquoi. Le pourquoi que je ne fais pas ça. Pourquoi je ne ferai pas ça. We always need to look at a problem from the right angle. So I've been asking myself, why is this the case? Why are we not praying? Et c'est là que nous allons pouvoir aller vers des solutions. Because once we understand that, we can start to work towards the right solution. Avant de continuer, j'aimerais vous partager les trois aspects important de notre vie de prière. Now let me share with you the three aspects that are important in our prayer life. La première, c'est l'intimité. The first one, intimacy with God. Notre communion avec Dieu. It's having communion with God. Tu sais, la plupart du temps, des fois, lorsqu'on va prier, la plupart de nous, on croit que c'est vraiment, voilà, c'est du boulot, quoi, c'est dur. Je ne veux pas dire que c'est pas dur de le faire, la discipline, mais je parle cet instant, ce moment que nous choisissons de prier, elle ne devrait pas être dure. Ça doit être un délice. Too many of us think to ourselves, oh, it's so hard to pray, and that's because we haven't learned how to make prayer a delight. Parce que des fois, si nous comprenons, c'est que même dans les relations humaines, ça se passe. Tant qu'il y a la passion, vous savez, la communication passe. Dès que cette passion se coupe, d'un seul coup, les relations sont de mieux en moins tangibles. Sometimes it's the same case in human relationships. As long as you have passion for each other, communication happens and it's fluid and it's smooth and it's harmonious. But when the passion diminishes, then your communications diminish as well. Écoute, je ne suis même pas à l'introduction de mon message. En tout cas, ce que tu dois prendre conscience, c'est que si tu vois que ton temps d'intimité avec Dieu a été affecté, ce que tu dois te demander, pas poser la question si Dieu s'est éloigné de toi. Pardon. When you experience in your prayer life a sense of less intimacy with God, it's not right to ask or to say to yourself that God has distanced himself from you. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. » Because we read in the Word of God where he says, approach the Lord, draw near to the Lord, and he will draw near to you. Ce qui veut dire que cette proximité ne dépend pas de Dieu, cette proximité dépend de moi. So the nearness you feel to God doesn't depend on God, it depends on you. Vous m'aimez toujours? You still like me, guys? Deuxièmement, la prière de requête. So after intimacy, the second thing to incorporate is the requests you make to the Lord. Vous avez la demande, l'intercession, et ainsi de suite. You want to ask something from the Lord. You want to intercede for someone before the Lord. Et troisièmement, vous avez le combat. Now the third aspect of your prayer life is spiritual warfare. J'aimerais juste clarifier quelque chose. Lorsque je parle de combat, c'est pas de dire prier plus fort. Now, when I'm speaking of spiritual warfare, it doesn't mean you pray louder. Vous savez, moi aussi, j'ai grandi avec certaines type de caractère, je croyais que quand je criais plus fort dans la prière allait être mieux entendue. I was raised in a particular setting where I started to believe that the louder I prayed, the stronger my prayers were, the more effective they were. That's not the case. Okay? Tu sais, tu peux être aussi calme que tu peux et tu déclares quelque chose, ça marche. You can declare the truth of God and it works, even if you're speaking softly.
Parce que cela ne dépend pas sur le ton de ta voix. Because it doesn't depend on the volume of your voice. Mais il dépend plutôt de l'autorité qui est derrière ta voix. It depends on the authority that you carry when you speak. C'est ce qui fait la différence. That's what makes a difference. Donc le combat, c'est la proclamation, l'affirmation et la résistance. So spiritual warfare consists of proclamation, affirmation and resistance. Three things. Et nous allons ouvrir notre Bible. Puisqu'on est à l'église, on est supposé d'ouvrir notre Bible. Now, since we're at church, we're all going to look at the Bible together. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus, for the word of God. Ephésiens chapitre 6, le verset 18. And we're going to start by looking at Ephesians chapter 6 and verse 18. Follow along in English. J'ai pas donné le titre du message. Vous savez que quelque part, on parle de la prière. So, if you haven't guessed yet, the title of my message is prayer. J'espère, si tu n'es pas endormi. I hope you haven't fallen asleep for the first part of it. Ephésiens le chapitre 6, le verset 18. Ephesians 6, 18. Je vais lire. Vous y êtes? Is everybody there? You found it? Good. Je vais lire la version Darby. Il dit, priant pour tout, par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints. Je me suis dit, il y a combien de tout dedans dans ce verset? When I read this verse in the Darby version, I asked myself, how many times does the word all appear in one verse? Vous vous rappelez que Pasteur Robert vous a parlé les 23 principes? Do you remember how Pastor Robert spoke to us last Sunday about the 23 principles of hermeneutics? Ça fait partie d'un principe de regarder combien de fois un mot est mentionné dans un verset. This is one of those principles. Look at how many times one word is repeated in a verse. Toutes sortes de prières. Look at it. It says praying every or all type of prayer. Tout temps. At all times. Toute persévérance. With all perseverance. Pour tous les saints. Making supplication for all the saints. Four times. Un verset. In one verse, the word all appears. Peut-être il veut dire quelque chose ici. Maybe God is trying to tell us something through this verse. What do you think? J'aimerais juste attirer votre attention sur toutes sortes. De prière. The first part really spoke to me. Every or all type of prayer. Ou sinon toutes les formes de prière. Or we could say all forms of prayer. Vous savez, comme l'exemple dans le sport. For example, let's look at sports. Vous savez, dans le sport, vous avez plusieurs disciplines. There are several different types of disciplines in sports. Mais toutes les disciplines se groupent sous l'intitulé sport. But all of these different forms or types of disciplines are all under the category of sports. Ce qui veut dire que tu ne peux pas jouer le foot en appliquant les lois du basket. In other words, you can't play soccer by applying the rules of basketball. Ça ne marchera pas. It'll never work. Parce que chaque discipline ont leurs propres règles. Because every different kind of sport has its own rules. Et j'aimerais vous dire quelque chose. C'est ainsi pour la prière. It's the same way for prayer. Parce qu'ici, dans verset 18, il dit toutes sortes de prières. Because we've seen it in the Word of God. Verse 18 says every sort of every type of prayer. La plupart d'entre nous, nous connaissons à peine quelques sortes. And most of us only know one or two different types of prayer. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. I'd like to say this. Si comme le sport, chaque discipline ont leur propre règle. In the same way that in sports, every single discipline has its own rules. Ainsi, chaque sorte ou type de prière ont leurs propres règles. Every form of prayer has its own rules as well. C'est peut-être l'une des raisons pourquoi on ne reçoit pas des réponses à nos prières. And if we don't know this, maybe that's why some of our prayers are not answered. Nous, ce qu'on fait, on met toutes les prières dans le même sac. We put all of our prayers in the same category, in the same bag. Nous devrions apprendre les différents types de prières et respecter les règles. So we need to learn the different forms of prayer and respect the rules of each of those forms. Chaque prière a ses propres règles. Because every type of prayer has its own rules. Est-ce que vous me suivez? Are you there with me? Ces prières sont mentionnées dans la Bible. Je vais vous le dire rapidement. I'm going to give you the list of those different kinds of prayers because they're all mentioned in the Bible. Premièrement, la prière de la foi. First one, the prayer of faith. Deuxièmement, nous avons la prière de la louange et l'adoration. Secondly, the prayer of praise and worship. Troisièmement, nous avons la prière d'unité ou la prière d'union. Number three, prayer of unity. La prière d'engagement et de consécration. Fourth, the prayer of commitment or consecration.
Et ensuite, nous avons la prière en langue. Fifth type of prayer, praying in tongues. Ensuite, nous avons la prière de l'agrément. Sixth type of prayer, the prayer of agreement. Et ensuite, nous avons la prière de l'intercession. And finally, number seven, the prayer of intercession. Chacun d'entre nous, nous devons aller au travers de notre Bible et étudier ces sortes, ces types de prières. I recommend that every single one of us study our Bibles to see those seven types of prayer. Study them. Vous savez, quand vous allez dans la parole de Dieu, when you look into the Word of God, quand vous regardez dans la parole de Dieu, when you look at the truth in His written word, vous allez commencer à découvrir les genres de prières qui ont des résultats. You're going to discover prayers that were effective and that had results. Parce que cette parole, lorsqu'elle va commencer à être illuminée dans votre pensée, because as this word speaks to you and illuminates your mind, ça va commencer à vous ouvrir les yeux et vous montrer comment prier. It'll begin to open your eyes and show you how you should be praying. J'aimerais juste vous parler aujourd'hui au sujet de la prière de la foi. Today, I want to focus on the first type, the prayer of faith. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Holy Spirit, help me. Avant d'aller plus loin, avant de vous dire ce que c'est la prière de la foi, laissez-moi vous dire ce qu'elle n'est pas. Before I tell you what is the prayer of faith, I'm going to explain what it is not. La prière de la foi n'est pas un moyen pour manipuler Dieu. The prayer of faith is not some way to manipulate God, okay? La prière de la foi n'est pas un moyen pour forcer Dieu. It is not a way to force God to do something. La prière de la foi n'est pas un moyen pour obliger Dieu à faire quelque chose. The prayer of faith is not something that requires God to do something. Si la prière de la foi n'est pas un moyen pour manipuler Dieu, forcer Dieu et obliger Dieu. Mais qu'est-ce que la prière de la foi? So if the prayer of faith is not to manipulate God or control God or force him to do something, what is it? Nous allons dans Matthieu le chapitre 21 le verset 22 s'il vous plaît. We find the answer in Matthew 21 verse 22. Certainement les élèves de CFH vont reconnaître ce verset. And I'm sure those of you who did the discipleship school will recognize this verse. Parce que quand j'enseigne sur la série de la foi, because when I teach on the prayer of faith, j'utilise ce verset. I use this verse very vous often. Y êtes? Matthieu 21, 22. Has everyone found the verse? Matthew 21 and verse 22. Si vous y êtes, dites j'y suis. If you're there, say I'm there. Alors, good. Thank you, Marie. Merci, ma sœur. Si, est-ce qu'on peut lire cela tous ensemble? Let's read it together. Lire veut dire que tu ouvres ta bouche et tu articules et qu'il y a un son qui sort. And we're going to read it out loud, which means you have to open your mouth and make the voice come forth. On va essayer de lire tous ensemble. Let's Matthieu 21, le verset 22. English or French, if you're with me. Verse 22. Un de lisons. Tout ce que whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Est-ce que vous avez bien vu ce verset? Did you see that verse in the Bible? Il dit tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez. Whatever you ask in prayer, you will receive. J'ai pas entendu. What's the rest of the sentence? If you ask by faith. If you have faith, exactly. Ce qui veut dire juste parce que je prie, c'est pas une confirmation que j'aurai une réponse. In other words, it's not just because I pray that I will receive. It's when I pray with faith. Il y a une différence. There is a difference. Pourquoi le Saint-Esprit aurait injecté le mot foi dans la prière s'il n'y avait pas d'importance? Why did the Holy Spirit inject that phrase if you have faith into this verse if it wasn't important? Mm-hmm. Good question. Vous êtes avec moi? You still there? Quelqu'un dit la prière de la foi. Someone, prayer of faith. Vous savez, la Bible écrit le juste vivra par la foi. The Bible tells us that the righteous will live by faith. D'ailleurs, c'est écrit quatre fois. It was mentioned four times. Une fois dans l'ancien et trois fois dans le nouveau. One time in the first covenant and three times in the second covenant. Je pourrais vous donner les citations pour une question de temps. Je vais vous donner des devoirs. Allez le chercher. I'm going to give you some homework today. You're going to find those four verses that say the righteous shall live by faith when you go home today. Donc allons dans Romains le chapitre 10, le verset 17 s'il vous plaît. Now we're going to look at Romans chapter 10 and verse 17. C'est un verset que nous connaissons tous. We all know this verse by heart. Si vous êtes dans l'église au moins deux mois, if you've been in this church for at least two months, t'as dû entendre ce verset. I'm sure you've heard this verse before. Romains
10, 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romans 10, verse 17 says faith comes from hearing and hearing from the word of God. Est-ce que vous voyez bien ce verset? Do you see this verse in your Bible? Ce qui veut dire que la source de la foi, c'est la parole de Dieu. In other words, the source of your faith is the word of God. Je dis la source de la foi, c'est la parole de Dieu. Let me say that again. The source of your faith is the word of God. Dites-le. Say it out loud. The source of my faith is the word. C'est la parole de Dieu. The word of God. Vous êtes avec moi? You still there? Vous êtes sûr? Are you sure? Si la foi vient de la parole. So if faith comes from hearing the word of God. Donc la prière de la foi n'est ni plus ni moins qu'une prière fondée sur la parole. The prayer of faith is nothing more or nothing less than a prayer founded on the word of God, based on the word of God. C'est aussi simple que cela. That's how simple it is. Lorsqu'il disait la prière de la foi, when we're talking about the prayer of faith, ce qui veut dire que c'est une prière qui est fondée sur la Bible. It is simply saying that my prayer is based on the Bible, Bible. Sinon, une prière qui est fondée sur les promesses d'alliance. In other words, a prayer based on the promises of the covenant. Et j'aimerais que vous écriviez cela, parce que si vous prenez des notes, écrivez ceci. La prière de la foi, c'est une prière autoritaire et directive. I'd like, if you're taking notes today, I'd like to encourage you to write down this sentence. The prayer of faith is a prayer that is authoritative and directive. Elle est même créative. Even giving directions, in other words. Elle est même créative, cette and prière. And creating. It's a creative prayer. Parce qu'au commencement, Dieu créa. In the beginning, God created. Écoutez bien. Si la parole a créé tout ce que nous pouvons voir et sentir. See, if the word of God created everything that we can see and feel. Croyez-vous que si nos prières sont fondées sur cette force créatrice, nous pouvons créer des choses dans notre vie? Do you believe that your prayer based on this creative word of God will also create? Amen. Maintenant, on va parler d'une petite vache sacrée dans la prière. Now we're going to talk about a sacred cow in the area of prayer. Qu'en est-il du grand si dans nos prières? Okay, what do we do with the word if when we pray? Parce que beaucoup d'entre nous croyons que c'est spirituel si nous disons oh grand majesté si c'est ta volonté. You know what I'm talking about. You know the kind of people that pray, "Oh Lord, great and mighty, creator of heaven and earth, if it is your will." Oui, le problème c'est que des fois on mélange les règles dans notre style et dans notre type de prière. And this is a good example of those of us who mix the different rules of different types of prayer. Est-ce que le si trouve sa place dans la prière de la foi? Is the word if, does it have its place in the prayer of faith? Oh, en vous regardant, je me suis dit, waouh, c'est le bon message ce matin. It's a good message this morning. Take note. Luke, chapter 22. Vous savez, je ne peux pas aller au-delà si ce n'est que suivre l'exemple de la vie de prière de Jésus lui-même. I cannot go beyond what Jesus showed me as an example of a prayer life. Si Jésus a utilisé le si dans sa prière, so, in other words, if Jesus used the word if in his prayers, ce qui veut dire que ça me donne l'autorisation d'utiliser le si. We can use the word if in our prayers. Mais le problème, c'est que nous devons vraiment regarder quel type de prière que Jésus utilisait lorsqu'il utilisait le mot si. But we need to be careful to see what kind of prayer Jesus was praying if he used this word if. Parce que nous voyons Jésus utiliser si partout. He's not using the word if in all of his prayers. Donc Luc 22 verset 42. We're going to look at one example. Luke chapter 22 and verse 42. Et vous savez tous que c'était ce moment où il était vraiment d'un moment où il voulait tout lâcher. And you remember the context of this prayer. He was in the Garden of Gethsemane. He was ready to give up.
Écoute, j'ai pas le temps de peindre le tableau, le contexte, l'historique. I don't have time this morning to explain the entire history behind that particular. Mais on va aller direct au but, gloire à Dieu. But we're going to see Jesus in that garden and see what he's saying. Le verset 42, il dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. In verse 32, Jesus prays in this way, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Mais oui, Jésus a utilisé le « si » dans sa prière. Here is an example where Jesus used the word if in his prayer. Mais c'était pas une prière de la foi. But his prayer in this context was not the prayer of faith. C'était une prière de consécration et de dédication à la volonté au plan de Dieu. His prayer here was a prayer of consecration to the plan of God, the will of God. Tout comme moi, je peux prier, Père, si c'est ta volonté un jour que tu m'envoies à Singapour. I can pray a prayer like that. Lord, if it's your will, one day send me to Singapore. Dieu m'a rien dit au sujet de Singapour. But for the time being, Jesus, the Lord never spoke to me about Singapore. Il m'a rien révélé. He didn't reveal anything to me about Singapore. Mais si c'est ta volonté, but I can pray in this way. If it's your will, envoie-moi, je suis dispo. Send me, I'm ready, I'm available, you can send me. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Do you know what I'm talking about? Il y a une différence entre la prière de la foi et la prière de consacré à la volonté de Dieu. In other words, there's a difference between the prayer of faith and the prayer of consecration to the will of God. Problème, c'est que lorsque tu essaies de faire une prière de foi et que tu rajoutes le si dedans, ça court-circuite ta prière de foi. But here's the problem. If you are trying to pray the prayer of faith and you add the word if into your prayer, it's like a short circuit to your prayer. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Merci Saint-Esprit. Vous voulez que je vous dise pourquoi? You want me to tell you why? Thank you, Holy Spirit. Parce que des fois vous dites oui, mais tu sais, c'est biblique, nous on a été habitués comme ça. Si tu es vraiment habitué, suis Jésus s'il te plaît. Some of you say, but I've always prayed that way. That's the way we learned how to pray when we were little. My exhortation is follow the way Jesus prayed. Qu'est-ce que le mot si révèle dans notre langage française? What does this word if reveal in our language? Si, c'est une incertitude. The word if reveals uncertainty. Qui veut dire que je ne suis pas sûr de. In other words, I'm not sure that it's God's will. Alors comment tu peux me dire que tu fais la prière de la foi, mais tu n'es pas sûr de? So how can you tell me you're praying a prayer of faith if you're not even sure of God's will? Allez. Right? Dites amen ou oui-moi. Say amen or oh my. Tu veux me dire que tu fais la prière de la foi et tu mets le si? Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. But the Bible says that faith is the assurance of things hoped for. Une ferme assurance. The assurance, a firm assurance. Il n'y a pas de l'incertitude. There's no trace of uncertainty. Il n'y a pas de ombre de variation. There is no shifting and shadows of turning. Ce qui veut dire que je suis sûr, que je suis sûr, que je suis sûr. Yeah, I pray in a way because I'm sure and I'm certain and I'm sure that I'm sure. Woo! Gloire à Amen. Dieu. Amen. That's the prayer of faith. Allons dans Jean le chapitre 11, le verset 41. We're going to look at John 11, verse 41 now. Vous vous rappelez lorsque Jésus a fait sortir Lazare du tombeau? Do you remember when Jesus called Lazarus out of the tomb? J'ai jamais vu le mot si mentionné dans ce. Not one single time did Jesus use the word if in that prayer. Le verset 41 du deuxième partie du verset. We're going to start at the end of verse 41, John chapter 11. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. This is how Jesus prayed. Father, I thank you that you have heard me. Ça, c'est la prière de la foi. That is a prayer of faith, brothers and sisters. Ça, c'est la prière de la foi. That is a prayer of faith. Je ne vais pas continuer à parler sur la prière de consécration. Notre objectif ce matin, c'est de parler sur la prière de la foi. I'm not going to continue talking about the prayer of consecration because our objective this morning is to understand the prayer of faith. Allons rapide, le temps passe trop vite. Matthieu 21. Matthew 21 now. Si vous avez des doigts dans votre Bible, gloire à Dieu, préparez aussi Marc 11. And after that, we'll look at Mark 11. Matthieu 21. Look at Matthew 21 for now. S'il vous plaît, si vous êtes là-bas, juste faites-moi savoir, dites-moi, j'y suis. Tell me if you're there. Are you there? Matthieu 21, le verset 18 à 22. We're going to read from verse 18 to 22.
Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » À l'instant, le figuier cessa. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ce sera fait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Look at the example of Jesus. Whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. It happened with the fig tree. Oh mon Dieu, regardez toute cette histoire. With this whole story. La Bible dit que au moment que Jésus a dit, tout le monde l'a entendu. When Jesus spoke out loud, everybody around him heard him. Mais non seulement ils ont entendu, la Bible dit, mais ils ont vu. Not only did they hear him, but they saw him. And ce qui veut dire que toi et moi, il doit arriver un moment de notre vie que notre prière doit non seulement être entendue, mais notre prière doit être vue, gloire à Dieu. Which means that for you and me, not only should our prayers be heard, but they should be seen, glory to God. C'est pas juste bien de faire des prières, gloire à Dieu. It's not just a nice, easy thing just to have a prayer. Si c'est juste faire des prières pour faire des prières, j'ai pas de temps à perdre. We don't have time to waste. We shouldn't just be praying for the sake of praying. Non, nous devons faire des prières qui va être entendues, mais non seulement entendues, mais qui sera vue, gloire à Dieu. We need to make sure our prayers are not only heard, but they are seen. Glory to God. Amen. Amen. Et ici, Jésus parlait de la foi. And Jesus was talking about faith in this context. N'est-ce pas surprenant qu'il utilisa un modèle de prière en parlant à un arbre? Isn't it interesting to see how he used prayer to speak to a tree? Et il fait la liaison entre la prière et la foi. Donc on parle toujours de la prière de la foi. We're still talking about the prayer of faith, but he used this example to teach his disciples how to pray in faith. Pour une question de temps, notez-le, Marc 11, le verset 18 à 24. Just put this in your margin, Mark 11, 18 to 24. Matthieu dit que, tu sais, lorsque Jésus a parlé, les disciples ont vu. Matthew says that when Jesus spoke, the disciples saw. Mais tu sais, toi, tu as l'impression que c'était le même jour. Non, Marc donne les détails. You get the impression from Matthew that all of this happened on the same day, but in fact, in the version that Mark wrote, he gives more detail. La Bible dit que lorsqu'ils étaient en train de marcher, Jésus parla à l'arbre et il a continué sa route. In reality, they were walking down the road. Jesus saw the tree. He spoke to the tree, and then they continued walking down the road. Mais les lendemains, quand ils sont retournés, but in Mark, it says that the next day, when they came back to the same place, they saw it with their own eyes that the fig tree was dried up. Et là, il posa la question. And that's when they asked the question. À Jésus. To Jesus himself. Et Jésus a trouvé une bonne opportunité pour leur enseigner de la prière de la foi. And that's when Jesus decided it was a great opportunity to teach them about the prayer of faith. Maintenant, vous pouvez me dire, mais où est-ce que Jésus a trouvé la promesse qu'il pouvait faire cette prière de foi? All right, you might be asking yourself, where did Jesus find the promise that he could make that kind of prayer of faith? Mais vous savez, Jésus est le créateur, n'est-ce pas? Jesus himself, he's the creator, right? Vrai ou faux? True or false? Ce qui veut dire que quand il voit quelque chose fonctionner, c'est normal pour lui. So in other words, when he sees something work, it's normal for him. Mais quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas normal. But when he sees that his prayer doesn't work, it's not normal for him. Quand tu vois un figuier qui a des feuilles, il était obligé d'avoir des fruits. Jesus knew that fig tree which had leaves was supposed to be bearing fruit. Puisqu'il ne portait pas de fruits, il dit, moi je suis ton créateur, tu n'existes plus. So it was like Jesus saying, since you don't have any fruit and since I'm the creator, you have no more right to bear fruit whatsoever. C'est dessus sa foi était bâtie. And that is where the prayer of faith came la loi de la création. La loi de la création, pardon. It was in the law of creation that his prayer of faith was based on. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? You see what I'm talking about? Allons dans Daniel. Now we're going to look at the book of Daniel. Thank you, Lord. Vous aimez ça? Do you like this? Si vous savez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, boy, if you knew how my heart was just J'ai envie de prêcher, crier. I just want to preach and shout. Non, il y a des vérités qu'il faut extraire de la parole. There are such important truths that we need to appropriate from the word of God. Daniel 10, le verset 12 à 13, s'il vous plaît. We're going to read Daniel chapter 10, verse 12 to 13. Il me dit, Daniel, vous y êtes? Are you there?
Il me dit, Daniel, ne crains pas. Dès le premier jour, mm-hmm. dès le premier jour, mm-hmm. dès le premier jour, mm-hmm. dès le premier jour, dès le premier jour. Écoute, lorsque j'ai lu ce verset ce matin, j'avais l'impression que ce verset sortait me donner une gifle, gloire à Dieu. I read this verse this morning and I had the impression that the verse was jumping out at me and slapping my face. Et le Saint-Esprit me dit, Sam, tu as vu cela, la prière, dès le premier jour. And the Holy Spirit said, look at this, Samuel, you see, from the first day. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant le trône de Dieu. From the first day that you set your heart to understand and humbled yourself before the throne of God. Tes paroles ont été entendues. Your words were exactly. J'aimerais vous dire, la prière de la foi monte directement aux oreilles de Dieu. The prayer of faith goes straight to the ears of God. Il n'y a pas de limitation. There's no limit. Il n'y a aucune barrière. There's no barrier. Il n'y a aucun diable. There's no devil. Aucun démon. There's no demon. De l'enfer. There, from hell. Qui peut empêcher. That can hinder. Cette prière montée jusqu'au trône. The prayer of faith from reaching the ears of the of our God. Oh, je sais ce que vous pensez. Vous dites, mais est-ce que tu ne vois pas que l'ange dit à Daniel qu'il y a des anges de Perse qui nous ont empêchés. On a dû se battre pour 21 jours. I know what you're thinking. You're going to read this passage and you're saying, but Samuel, don't you see that there were some demons there and the prince of the kingdom of Persia that was hindering the prayer from being answered? Oui, mais j'ai bien lu, bien sûr. Yeah, I read that too. Mais pourquoi j'ai mentionné plusieurs fois le mot « dès le premier jour » ? But why did I underline the phrase that says « from the first day » ? Ce qui veut dire que le premier jour que Dieu a entendu, Dieu a déjà exaucé. In other words, from the very first day, God heard and God started to answer the prayer. Et peu importe lorsque la réponse va descendre, qu'il va y avoir des perturbations ou des turbulences. So he sends the answer and it might have encountered some disturbances. Mais tout ce que je sais que le moment où j'ai prié, c'est entendu et la réponse arrive. But all I know is from the minute I pray, the very first day it was heard by God. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Do you understand what I'm saying? Pas lorsque tu as prié, tu te poses la question, je me demande vraiment si Dieu m'a entendu. I know people who pray and at the end they say, "Gee, I wonder if God even heard my prayer." J'ai rien senti pendant que je priais, mais je me demande vraiment. I felt something when I was praying, but I don't know if he really heard. Qu'est-ce que la prière a à voir ce que tu ressens? Listen. What does the way you feel have to do with your prayers? Est-ce que Dieu a dit que la prière des sentiments sera exaucé? Did God say that the prayer of emotions or sentiments would be answered? Je vous entends no. pas. Aidez-moi, aidez-moi. Yes or no? Mais pourquoi nous sommes si émotionnels? So why do we base so much on our emotions? Je te l'ai dit au début de la réunion, si tu attends toujours le spectaculaire, tu risques de passer à côté du Saint-Esprit. As I said in the beginning, if you're waiting for something spectacular, you might miss what the Holy Spirit is doing. Il dit à cause de tes paroles, l'ange est descendu. God said, because of your words, the angel came. Ce qui veut dire qu'au moment où je déclenche la prière de la foi, Dieu déclenche les anges exécuteurs. In other words, as soon as I pronounce the words, God sent the angel to execute his will. Je ne sais pas pour vous. Wow. I don't know if that speaks to you. It speaks to me. À chaque fois que je ferme les yeux, je dis, Papa. Every time I close my eyes and say, Father. Sur ta parole. On your word. Je te remercie. I thank you. Je veux dire, les portes des cieux s'ouvrent, les anges commencent à se préparer pour descendre parce qu'ils doivent exécuter la parole. And as soon as I say that, I know the doors of heaven are open and the angels come to execute the prayer. Non pas à cause de moi. Not because of me. Non pas à cause de mes prières. Not because of my prayer. Parce que ma prière, elle est fondée sur la parole de Dieu. Simply because my prayer is based on the word of God. Livre des Psaumes nous dit que les anges sont les exécuteurs de la parole de Dieu. Here we understand that the angels are sent to carry out the word of God. Laisse-moi te dire, lorsque tu fais la prière de la foi, il y a une myriade d'anges qui sont libérés des cieux. Do you realize that every time you pray, the angels are released from heaven to do God's will? Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens qui essaient de me chercher des problèmes, fais attention à toi parce que tu vas être cogné. That's why I say to people that are trying to cause trouble for me, you better be careful because you're going to run into trouble yourself. Parce qu'il y a quelqu'un qui marche avec moi qui fait quatre fois ma taille. There's somebody walking with me who's four times bigger than I am. Fais attention. So be careful. N'attends pas que j'appelle.
Don't wait till I call that N'attends angel. Pas que j'ouvre la bouche. Don't wait for me to open Parce my mouth. Parce que le jour que j'ouvre la bouche, the day I open my le mouth, ciel s'ouvrira. Heaven et les anges descendra. And angels come down. Et ça doit être valable pour toi aussi. And that should be true for you as well. Peu importe où tu te trouves. No matter where you find yourself today. Jésus a dit au Sanhédrin, aux tous les religieux de son temps. Jesus spoke to the religious people of his day. Il dit, suffit d'une seconde que j'appelle toute l'armée des cieux. He said he could call forth the entire army of heaven to come to his aid. Il y a toute une armée qui est dans le ciel qui attend des ordres de la part de votre prière de la foi. There is an army of angels waiting in heaven for your prayer of faith to come up and call them down. Alors commençons à libérer la prière de la foi. So start to release the prayer of faith. Oh, je me pose la question d'où Jésus, comment je vais faire? Sometimes I ask myself, how should we do this? Et je vais dans ce livre, gloire so, à Dieu. I open up the word of God. Vous savez ce que je fais tous les jours? You know what I do every day? Pour ma femme. For my wife. Et mes enfants. For my children. Vous savez, je ne dis pas, oh doux Père, les enfants de Dieu que nous sommes, protège-nous pour une bonne journée. I don't pray in a religious way, oh sweet Father, because we're the children of God, protect us today. Non, j'ouvre ma Bible. No. I open my Bible. Je prends le psaume 91. I look at Psalm 91. Je vous enseigne avec les préceptes. And I'm teaching you these principles. Et c'est important d'apprendre comment faire. Because it's important for you to learn how to do this yourself. Et j'ouvre le psaume 91. So I open, for example, Psalm 91. Et je dis Père. And I say Father. Je te remercie. Thank you. Pour mon épouse. For my wife. Pour mes enfants. Thank you for my children. Je te remercie Père. Thank you Father. Que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. That my family dwells in the shelter of the Most High God. Et que nous reposons à l'ombre and du Tout-Puissant. And we rest in under the shadow of His wings. Père, tu es notre refuge et notre forteresse. Father, thank you because you're our refuge and our fortress. Papa, en toi nous nous confions. Father, we can trust our lives, entrust our lives to you. C'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseur. Because you have delivered us from the net. The fowler's net. De la peste et de ses ravages. And from all of the pests and their damage, the damage they try to cause. Et ce que je fais, je vais jusqu'à la fin. So I take the whole psalm, I go from the start to the finish. Et dès que je clôture le dernier verset. And as soon as I'm done praying the last verse. Je dis Père, je te remercie. I say simply, Father, thank you. Que les anges de Dieu veillent sur nous. The angels of God are watching over us. Campent autour de nous. They are camping around us. Vont devant nous. They are walking in front of us. Pour nous préparer la voie. Because they're preparing the way for us. Et ils nous arrasent du danger. And you remove us from all danger. Ça. C'est la prière that, de la foi. My friends, is the prayer of faith. Et je ne m'arrête pas là. And I don't stop there. J'ouvre le psaume 23. I go to Psalm 23 afterwards. L'Éternel est mon berger. And I pray this prayer, the Lord is my shepherd. Ni ma femme, ni mes enfants ne manqueront de rien. My children, my wife will never lack anything. Il nous fait reposer dans des verts pâturages. You will cause us to rest in the green pastures. Il nous dirige près des eaux paisibles. And you will lead us beside still waters. Il restaure nos âmes. You are restoring our soul. Il nous conduit vers les chemins de la justice. You lead us in the path of righteousness. Il oint d'huile notre tête et que notre coupe déborde. You anoint our heads with oil and our cup overflows. Il nous rassasie de longues joues. And you fill us and satisfy us with long days. Entre parenthèses, il n'y aura pas de mort prématurée. And in parentheses, I add, and there will be no premature death in my family. Et il nous fera voir son salut. And you, we will see the salvation of our God. Vous voyez comment je fais? You see how I do it? Very practically. Écoutez, je ne vais pas inventer des choses qui n'existent pas. Je prends Dieu au mot. I'm not inventing something, making up something that doesn't exist. I am taking God's word seriously. Et je vais devant lui, je dis humblement, Papa, c'est pas moi qui l'a dit, tu l'as dit. And I say to him, Father, I say this in all humility, I didn't make up these words, you're the one who said it. C'est basé sur des promesses d'alliance. I'm basing my prayer on the promises of your covenant. Je vous dis, si vous avez du temps, je vous fais passer au travail de mes une heure de prière. Lorsque vous sortez, vous allez être saturé, gloire à Dieu. I can invite you to my house and you can spend 1 hour in prayer with me and when you come out, you'll feel saturated. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Pourquoi Sam, il a un manuel de prière? And a lot of people say, why does Pastor Samuel have a whole manual about prayer? La raison pourquoi j'ai un manuel, parce que je veux que la prière fonctionne. Je ne veux pas perdre mon temps. Simply because I don't want to waste my time. I want my prayers to work. Même quand je vais vers Dieu. Even when I approach God. Vous savez comment je fais? You know how I do it?
Je dis, Père, Hébreux 4:16 nous dit. Such and such a verse says this. Je viens avec assurance. So, Hebrews 4:16 says, I come with confidence. Sans la foi, on ne pourra pas te plaire. Without faith, it is impossible to please you, Lord. Je crois que tu existes. I believe you exist. Je touche la table qui est à côté de moi. Je dis, tu es plus réel que cette table. And I touch the table and I say, Lord, I know you're more real than this table that I'm touching. Même si je te vois pas. Even if I don't see you with my eyes. Je te ressens pas. I don't feel you necessarily. Ta parole me dit. But your word says. Comme je m'approche de toi. When I come to you. Tu t'approcheras de moi. You come to me. You draw near to me. Vous voyez ce que je veux dire? You see how vous prenez Dieu simple au mot. You just take what God says seriously. Vous ne serez pas surpris qu'il sera sur la scène. Don't be surprised when he shows up. Parce que vous prenez Dieu au mot. You take his word c'est seriously. C'est ça la prière de la foi, bien-aimé. That's all that is, the prayer of faith. C'est ça la prière de la foi. That's the prayer of faith, brothers and sisters. Vous avez un besoin? If you have a need. Vous avez au-delà de 1000 promesses dans la parole de Dieu. You know, you have more than 1,000 promises from God in the Word, trouvez in the une, Bible. Trouvez 1, 2, 3 promesses. Find one or two or three of those promises. Qui vous donne la promesse de ce que vous attendez de Dieu. That reveal to you what God has provided in your time of need. Écrivez-les sur une feuille. And then write them down. Faites votre demande. Ask your, make your mettez request. La date que vous faites la demande. Make your request known to God in et faith. Tous les jours, vous dites Père, merci. And every day say, Father, thank you. Vous savez, j'ai commencé à pratiquer quelque chose. J'ai deux photos. J'ai une maison et une voiture. Tous les jours, je dis, Père, merci. I have two photos hanging on my wall. One is of a house and one is of a car. And every day, I say, Father, thank you. Thank you. Oui, mais Sam, tu es berger en ce moment. Comment tu peux oser? Père, merci pour la maison. Some people say, but you're living in an apartment now. How would you dare believe for a house? Oui, all peut-être ta voiture est en train de tomber en miettes. Il est cabossé partout. Père, je te remercie pour ma nouvelle voiture. If your car is having problems, all you have to say is, thank you, Lord, for my new car. Toi, tu vois ma voiture cabossée, mais moi, je vois une nouvelle voiture. You might see my car that's all dented, but I see my new car. Yeah, come on. Come on. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Are you beginning to understand? C'est, j'ai pas eu le temps de rentrer dans les vifs du sujet. J'aimerais te dire, ne t'autorise jamais de faire une prière sans une promesse. Pardon, pasteur. Never allow yourself to do a prayer that's not based on a promise. Est-ce que tu vois ça? Do you understand how important it is? Écoute, à cause de la traduction, je me suis permis d'aller un peu plus loin. Because of the translation, I'm going a little further. Sinon, vous savez bien que je suis très timé, 45 minutes, j'aurai clôturé. But you know, I have a habit of stopping right on time after 45 minutes of preaching. Et je vous ai juste donné, il y en a encore, bien aimé. Si vous regardez, il y a... Mais je pense que j'ai assez dit ce que le Saint-Esprit veut saisir ce matin. I believe I've shared with you what the Holy Spirit needs you to understand this morning. Amen? Amen. Ce qui veut dire que maintenant, ce que tu dois commencer à faire, avant de faire une prière, fais une recherche. So, before you formulate your prayer, do your research in the Word first. Trouve les promesses. Find the promises of et God. Et prends les promesses. Take those promises. Et ramène devant le trône. And bring them before the throne of God. Ésaïe dit, venons et plaidons ensemble. The prophet Isaiah said, come and let us seek the Lord, plead before God together. Je vais plaider ma cause, Lord. So I'm bringing my cause to the throne of God. Je sais que j'ai un avocat à la droite du Père. Because I know I have an advocate at the right hand of the Father. Je dis selon la loi. And I know that according to the law, l'article, this particular verse, je suis en droit. According to this, I have the right to ask you d'avoir this. Cela. To have this, to possess alors, this. Alors ne permettez jamais de faire une prière qui n'est pas dans ce livre. So don't allow yourself to formulate a prayer that is not according to the word of God. D'accord? Amen. Ne priez jamais pour la voiture de votre prochain. Don't pray for the car of your neighbor. Je vais m'arrêter là. And that's where I'll stop. Je pense que vous avez compris. I believe you've understood something today. Mais aussi amen? Longtemps qu'il y a une promesse. Every time there's a promise. Vous avez le droit. You have a right. De faire une demande. To make a request for that. Devant le trône de Dieu. Before the throne est-ce of God. On peut l'acclamer, gloire à Dieu. Thank you, Lord. Père, merci. Father God, thank you.
Merci pour ce temps, Père. J'ai fait de mon mieux, mais je sais que le Saint-Esprit agit dans les cœurs. Ils vont révéler d'autres choses, d'autres vérités concernant ce sujet. Thank you for this time together. Father, I believe I've done my best, but I know that the Holy Spirit will continue this work and continue to reveal important truths necessary for our prayer life. Et merci Père pour ces prières qui ont été faites ce matin, pour ces besoins qui ont été rencontrés. Thank you for the prayers that were prayed this morning over the needs that were manifested. Et merci Père pour ta parole qui va agir. Thank you Lord for your word that is moving mightily. Est-ce qu'on peut juste prier un peu en langue, gloire à Dieu? Let's pray together in the spirit just a few minutes to close our time. Hallelujah. Please stand up with me. Saint-Esprit, nous te remercions pour cet après-midi. Holy Spirit of God, thank you for your work in our midst today. Te remercions pour la vie de ton peuple. Thank you for the life of your people. Merci que tu vas faire venir le royaume et que la volonté de Dieu sera faite. Thank you because you're increasing your kingdom and you're causing the will of God to be accomplished. Merci que tu nous as illuminés concernant cette prière de la foi. Thank you for speaking to us about the prayer of faith today. Et qu'à partir d'aujourd'hui, notre vie de prière changera à jamais. We declare that starting today, our prayer life will never be the same. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Et toute l'Église dit en grand. And the Church of God said a big. Oh, acclamons le Seigneur pour cette Thank parole the Lord par for Dieu. His word. Je ne sais pas si tu veux faire un chant. Je ne sais pas, je luttais depuis tout à l'heure pendant que je prêchais, mais je ne peux pas retenir ça. I was sort of struggling while I was preaching, but I really feel obliged to share this with you. Tu as passé ta vie à courir loin de Dieu. Someone here spent your whole life running away from God. S'il te plaît, Dieu t'appelle. Please listen to his heart today. He is calling you. La seule sécurité que tu as aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, tu ne sais pas ce qui peut arriver. The only certainty you have is today. You don't know what will happen tomorrow. Alors, si tu es ici, if you are here today, tu n'as jamais eu l'opportunité de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. And you have never had the opportunity to make Jesus Christ your Lord and your Savior. Juste là où tu es, lève tes mains. Right where you're standing, just raise your hand so I can pray for you, please. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, if you've never received Jesus Christ in your life, pour ceux et celles qui ont levé la main, je vais vous demander de faire un pas de foi, sortez de votre place, venez devant. For those of you who raised your hand, I'm asking you today, take a step of faith and come up front so I can pray tu for you. Tu n'as jamais reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. If you've never received Jesus as your Lord and your Savior, tu sais now's que the time. Jésus est en train de t'appeler. You know today in your heart that Jesus is calling you. Je vais appeler les équipiers de prière, Blondel I'd like et the prayer team que je, to come forth que je vois, now. Que je vois pas, venez. Dieu va agir ce matin. Peut-être God is moving in your heart. Now is the time. Si tu sais que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, s'il te plaît, ne passe pas à côté de cette opportunité. Viens et reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. If you've never given your life to the Lord Jesus, don't waste any more time. Come now and receive the Lord. Deuxièmement, tu sais que tu as été autrefois avec Dieu, mais maintenant tu n'es plus. Et je sens que Dieu t'appelle. The second case, if you knew that before you were walking with the Lord, but you're not walking with him anymore, you feel God calling you today. C'est le moment de venir. It is the come. It is time to come forth. Là où tu es, juste lève tes mains. Where you are, just raise your hand. Et une fois que tu as levé les mains, c'est un acte de foi. La raison pourquoi on te demande de lever les mains, c'est un acte de foi. Et après, le pas suivant, c'est de venir devant pour que tu puisses prier à quelqu'un pour confirmer cette déclaration et cette décision que tu as prise. The first act of faith is simply raising your hand. But the second step of faith is to come forward and receive prayer because you know God is calling you today. He's calling you back to him.
Amen. Premièrement, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. So we're going to do the altar call for two cases. The first, if you've never given your life fully to Jesus. Deuxièmement, tu veux revenir à Jésus. The second, if you want to come back to Jesus today, c'est now le is moment the time. De faire le pas de foi. Now is the time to take a step of faith. Et peut-être aussi que tu as d'autres besoins que nous n'avons pas mentionnés. If you have another need that we have not mentioned. Si c'est le cas, n'hésite pas. L'équipe de louanges va entamer un chant. As the worship team comes up to do the closing song, je vais faire une prière, mais pendant ce chant, l'équipe de louanges, et vous pouvez venir pour recevoir la prière. You can also come forth and receive prayer for the needs that you might have. Père, nous te remercions pour ce jour. Father, thank you for this wonderful day. Merci pour la semaine à venir. Thank you for the week that is coming. Que ta face brille sur nous. Let your face shine upon us. Que ta paix nous accompagne. Let your peace be with us. Et que notre vie de prière change. Let our prayer lives change this week. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus we pray. Que Dieu vous bénisse pour ceux. God bless you. Et celles qui ont besoin de prière, n'hésitez pas, venez. Gloire à Dieu pendant que l'équipe de louanges vont. Now's the time to come up for prayer as we have our closing song. Que Dieu vous bénisse. Merci.